Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 13 avril 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Alors là, je vais faire un tirage concernant l'eau. Est-ce qu'on va avoir des problèmes d'eau, que ce soit de l'eau, l'approvisionnement d'eau, que ce soit sécheresse ou que ce soit de l'eau qu'on peut consommer, l'eau minérale en bouteille, etc. Voilà, je vais demander qu'est-ce qui se passe avec l'eau, à quoi devons-nous nous attendre et nous préparer? Eh bien, j'aime pas du tout ce jeu. J'aime pas du tout ce jeu. Il y a des choses qui sont vraiment inquiétantes qui apparaissent. Donc, par rapport à l'eau, est-ce qu'on va avoir des problèmes d'eau, aussi bien de l'eau pour boire que de l'eau courante au robinet, etc. Et en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il va y avoir un problème au niveau de l'eau à boire, de l'eau qu'on consomme pour boire, en fait. Parce que, voyez, là, il y a ces deux cartes ensemble. L'eau est malade. Il y a un virus, une bactérie, il y a quelque chose de pas bon du tout, vous voyez, et le sanitaire apparaît là, l'hôpital ici. Donc, il y a quelque chose de pas bon du tout dans l'eau. Dans l'eau à boire, dans l'eau, ouais, dans l'eau potable qu'on consomme, il y a quelque chose de pas bon du tout et de vraiment, vraiment pas bon, puisque on a ces deux cartes ensemble. Quand elles sont ensemble, eh bien, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, risque d'y avoir des décès à cause de l'eau contaminée, de l'eau malsaine, de l'eau impropre à la consommation. Il y a quelque chose, et c'est assez foudroyant, c'est quelque chose voilà, qui va nous tomber dessus, genre on a rien vu venir, et pouf, c'est là, quoi. Et on va le découvrir après, mais il va falloir, malheureusement, il va falloir qu'il y ait ces décès-là pour entamer les recherches, pour que le gouvernement se dise, mince, il y a un vrai problème sur l'eau que l'on boit. Alors ça, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Et il y a une autre chose que j'aime pas trop, c'est cette ligne-là. En fait, ces trois cartes-là. Parce que avec la carte de la trahison, comment dire? J'ai l'impression que l'eau a été infectée exprès. Que ce n'est pas un accident. Que c'est quelque chose qui a été. Vous voyez avec la carte de la trahison? Et là, pourquoi est-ce qu'il y a l'Union européenne par rapport au trafic, au commerce? Est-ce qu'on va être obligé du coup, d'importer de l'eau de l'étranger, notamment dans des pays européens, de faire commerce, ou alors est-ce que c'est l'eau qui vient de l'étranger, justement, qui est contaminée? Là, il y a quelque chose de très très louche en tout cas. Il y a quelque chose de très très louche. Après, on voit ici que les prix de l'eau vont augmenter, mais bien augmenter, ça va. Vous voyez, là, on ne contrôle plus. Là, vous voyez, ça part. Les prix vont vraiment augmenter. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, écoutez,
Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'eau. Zut! Zut, zut, zut. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite malgré tout de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.